Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Crossout. Je fais mon petit trait, c'est bon, et on va aller se faire quelques kills. Quelques kills supplémentaires, chers amis, voilà. J'enchaîne les épisodes, hein. Je vous rappelle que je suis en train de les farmer pour pouvoir espérer vous donner du contenu pendant 15 jours sans pouvoir tourner. Vu que je ne serai pas du tout à même de tourner, malheureusement. Pour vous, hein, malheureusement pour vous, bien sûr. Donc voilà. Voilà, je farme mon contenu. Et je contourne mes ennemis. Hop. Voilà, on verra bien si j'arrive à en tuer quelques-uns en passant par là. Souvent par là, c'est assez sympa. Non, personne? Alors là, je suis vexé. Aïe! T'es pas dans mon équipe, toi? Hop! Dommage. C'est une défaite. C'est une défaite, c'est dommage. On n'a pas de bol. On n'a vraiment pas de bol. Pour ce premier match de cet épisode. C'est vraiment dommage. Bon. Grosse défaite. Bon bah voilà. On l'a pas vu venir la défaite. Franchement je... Non ça m'étonne. Honnêtement ça m'étonne. 0 points. Voilà comme ça c'est clair. Donc voilà, ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance pour ce début d'épisode. Bon. Eh bah go. On va bien voir si la deuxième est une défaite, je risque de rage quit. Vu que ça doit être la dernière vidéo de la journée, je pense. Parce que là, je commence un petit peu à être à sec. Je vais rage quit si c'est une deuxième défaite violente. Donc jeu, ne me fais pas faux bon. Ne me fais pas faux bon. Salut Hélène. Ce klaxon. Hop les kill assist. On fait toujours un de fait. Au suivant. Moi je devrais être à même d'en surprendre un ou deux dans cette descente. Merde, c'est un copain. Hop les. Crac. Donc lui il est inoffensif maintenant. Bam et de deux. Enfin, c'est mon premier je crois kill. Ok. Merci. Oh même. Hop. Crac. Toujours un de plus. Crac. Et il nous reste plus que Michael. Il ne nous reste plus que Michael à avoir. Et roulant comme ça, je vais pas y arriver. C'est pas la peine. Si ça tourne. Ah bon. De toute façon, ils vont l'avoir avant moi. Hein.
Ils vont l'avoir bien avant que j'arrive. Oh là, le moindre caillou me tue. Voilà, c'est bon, victoire. Bon, le jeu n'est pas trop méchant. Le jeu n'est pas trop méchant. J'avais dit que j'allais rage quit si jamais. Ça va, ça va. Ça, j'ai connu pire. J'ai vraiment connu pire. Bon, tant mieux. Ok, la suite. Next. Next, next, next. Ok, on y va. J'ai vraiment hâte d'être niveau 10 pour pouvoir faire ce putain de véhicule moi-même, parce que là, franchement, ça me donne envie. Ça me donne tellement envie. Alors, vous connaissez l'astuce quand on commence de ce côté-là. C'est longer les extrémités. Je crois que j'ai été repéré. À moi, voilà, tu repasseras, tu repasseras. Hop. Aïe! Aïe! Bah ben voilà, comme ça c'est fait. J'ai pris extrêmement cher. J'ai pris... Il n'y a même pas de mots pour dire quoi, à quel point j'ai pris. Oh la gueule! J'ai eu si mal aux fesses! Le canon est vraiment hyper puissant en fait. Hein. Mais alors vraiment hyper puissant, c'est pour ça que vivement le niveau 10. Hein. Vraiment vivement le niveau 10. Joseph qui tente des choses avec Ethan. Dit comme ça, c'est très 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 bizarre. Hop, alors Joseph il a plus rien à faire. Là ils n'ont plus rien à faire non plus. Quelqu'un qui tape sur Flood Bike ou pas du tout? Est-ce que je peux passer sur lui ou pas? Non, j'ai plus le droit. Ah, ça y est, Phyto Bike. Non, c'est Phyto Bike. D'accord. Boum. Allez, vas-y, feu. On va se mettre à sa place, mais je pense que ça va être tellement violent, la fin. Boum. Jolie tentative. Oh, il tire encore! Il tire encore! Incroyable! Il tire encore. Ça va se jouer à rien, cela dit. Mais on l'a. Bon! On a de la chance. On a de la chance. Bon, bon, bon. Hop, 380 points, c'est pas beaucoup. Il faut vraiment qu'on fasse plus de points pour passer niveau 10. Ça va vraiment devenir une nécessité, ce niveau. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et on est bon, chers amis, on repart. Crac. Je reste toujours appuyé sur le bouton en fait et du coup ça démarre pas au quart de tour. Ils vont me pousser, voilà. Regardez Sarah, ça, Norius, Norius, Norius. Hop, non, me rentre pas dedans. Paul. Hop.
Boum. Ennemi détruit, ça en fait un. Ok, on touche toujours, donc ça ne dérange pas. Our base is being captured. Oh, mais non! On va encore perdre la partie comme ça, c'est stupide. Forcément, on n'a plus aucun joueur qui, fitobac, devrait aller à la base. Et bon, il ne va pas y aller, ça c'est clair. Et voilà, c'est trop tard. C'est tellement bête. C'est stupide. C'est stupide, chers amis. Je suis désolé, hein. Moi ça m'écœure. Ça m'écœure à un point que vous pouvez pas imaginer. Honnêtement, ça m'écœure. Et puis le pire, c'est qu'en fait, sur des parties comme ça, c'est stupide parce qu'on perd des points de durabilité. C'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide. Ça m'écœure. Honnêtement, ouais, c'est... S'il n'y avait pas la perte derrière, la double dose, c'est-à-dire qu'on non seulement on perd la partie, on a peu de points, on a peu de retours, enfin peu de gains potentiels de malgré tout, mais en plus, nos pièces se cassent, c'est stupide. C'est vraiment stupide. Surtout quand on sait que l'économie se passe par les joueurs, c'est là que ça devient encore plus stupide. Parce que oui, toutes les pièces que vous achetez, chers amis, ça dépend des joueurs qui vous la vendent, hein. Le prix dépendra des joueurs. Non, non, honnêtement, là, c'est vraiment, vraiment stupide. Honnêtement, là, moi, je suis déçu. Oh ! Physique ! Moteur de jeu, physique ! Allez. On les contourne. Ah putain. Hop. Mais non. Crac. Ouf. Voilà. Casse-toi. Boum. Oh merde, il y en a encore un. Oh quel dommage. Quel dommage. Mais il est tellement tanky son machin aussi. C'est magique. C'est vraiment magique. De toute façon, si on les bute pas, et on les butera pas, donc ce sera la dernière game de l'épisode, chers amis. C'est le rage kit, ça y est, on l'a atteint, le point de non-retour, on l'a atteint. C'est dommage. Ça me permet d'aller voir si oui ou non j'ai eu la box, la crates pour RoboCraft. C'est vraiment dommage. Bon bah retourne au garage les amis, encore une fois, merci d'avoir aidé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, ne pas trouver le lien dans la main de la chaîne, quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yoop.